mama mibu biso na wale no diko nongele de na yende la mola loko toti mile mbana wende muto muto limba mozimu na wo na mawonde nyula boye mozimu na wo ayo mae mozimu na nyame lende ka andre lendoy na ope. Hello! Alors, on est aujourd'hui le mardi 4 avril, il y a de cela deux jours que le challenge Volume Pousse Brillance s'est terminé. Je viens donc vous apporter le bilan de ce challenge après 3 mois. C'était un challenge qui était basé sur l'utilisation des poudres indiennes et bien sûr les poudres de d'autres plantes. Donc on avait un soin à faire chaque semaine. On avait des lotions stimulantes pour le cuir chevelu et sur les deux derniers mois, on avait le jus d'oignon pour la pousse des cheveux. Il y avait également des huiles stimulantes. J'ai fait un bain d'huile stimulante. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens en barre d'information. Il y avait des crèmes hydratantes qu'il fallait utiliser. J'ai fait une recette également d'après shampoing simplissime. Celui-là, c'est mon coup de cœur de cette année. Je pensais l'utiliser pendant 6 mois, mais non. Je l'ai même terminé avant la fin du challenge. J'en ai refait un autre tellement il va bien à mes cheveux. Bilan plutôt positif parce que la longueur que j'ai gagnée, je ne m'y attendais pas du tout. Le volume y est. Il y a une très belle douceur sur mes cheveux. Ils sont souples également. Voilà. Et j'en suis plutôt ravie. Alors, c'est un challenge que j'ai fait avec le groupe Univers Nabi et avec ma soeur. Je vais comparer les résultats à la fin de cette vidéo. Dans le groupe, il n'y a que des avis positifs, du moins jusqu'à ce jour, je n'ai reçu que des retours positifs. Il y en a qui ont gagné en longueur, en volume et en souplesse. Et franchement, ça me va droit au cœur, tous les avis, tous les retours que j'ai sur ce merveilleux, sur ce charmant groupe, l'Univers Nabi. Alors, dès le départ de ce challenge, sur le lancement, j'avais dit que je ne prendrais pas de compléments alimentaires. C'était tout simplement parce que je ne savais pas encore la fréquence entre deux cures de compléments alimentaires. Sauf qu'entre temps, vers le 15 janvier, je crois, j'ai reconsulté ma dermato qui m'a donc prescrit une nouvelle cure de compléments alimentaires sur 3 mois. Ce qui fait que j'ai donc continué pendant le challenge. J'ai recommencé pendant le challenge, donc à faire ma deuxième cure de compléments alimentaires. C'est des compléments alimentaires à la CAPS. Je n'ai pas de... boîte là, si je l'ai, je vais vous mettre la photo par là. C'est des compléments alimentaires qui marchent très bien pour les cheveux. Franchement, ça apporte la densité, ça apporte la souplesse, ça apporte le volume, ça va faire repousser les petits cheveux. J'avais une très forte alopécie. Là, il n'y a plus rien. Je me dis, avec les soins et puis les compléments alimentaires, en plus, franchement, ça aide. Ma soeur également a pris des compléments alimentaires, c'est des forts rapides, sauf qu'elle a commencé à prendre ses compléments alimentaires au mois de février, donc pour des raisons personnelles que je ne citerai pas. Elle a commencé à prendre ses compléments alimentaires en février, donc on ne tient pas compte des compléments alimentaires sur sa pousse, sur le résultat de sa pousse, uniquement sur les soins qu'elle a fait durant ces 3 mois, en comparaison avec les miens, moi qui ai donc pris des compléments alimentaires. Alors, je vais vous annoncer mon prochain challenge qui aura donc lieu en septembre, à la rentrée septembre 2017. Celui-là, tout le monde pourra le faire, il sera à la portée de tous. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le village où vous vous trouvez, au Cameroun, en Martinique, aux États-Unis, au Canada, peu importe l'endroit où vous êtes, vous pourrez faire ce challenge parce qu'il sera à la portée de tous. Mais avant le challenge de septembre 2017, j'ai décidé de vous proposer une routine sur 3 mois, donc qui commencera sur le mois de mai jusqu'au mois de juillet. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire vos demandes sur le groupe Univers Nabi.
puis ça aidera certainement plusieurs personnes à se créer leur propre routine capillaire. Voilà donc pour le bilan de ce challenge qui a été positif sur tous les plans, que ce soit sur moi, que ce soit sur le groupe L'Univers Navi, tout le monde a été satisfait. Donc si vous voulez vous joindre à moi pour des challenges, pour des prochains challenges, n'hésitez surtout pas, parce qu'en 3 mois, j'ai gagné 4 cm. Sincèrement, pour moi, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de miracle pour la pousse de cheveux. Seuls les soins comptent. J'ai beaucoup aimé tous les avis que les membres du groupe m'ont envoyés. Ça m'a énormément fait plaisir. Ça prouve que les partages que je fais aident. Donc, merci beaucoup pour vos retours. Et puis, on continue comme ça. On est là pour partager. Et ça ne peut que aider. Voilà, je vous laisse regarder le live check. Je vous fais de gros bisous. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Ça fait plaisir. Ça va droit au cœur. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve donc pour une autre vidéo. Bisous. Antoine Bala. Alors c'est parti pour ce lymph check. Mes cheveux tels que vous les voyez, je ne les avais pas hydratés pendant 2 jours. Donc le dernier soin je l'ai fait dimanche. On est aujourd'hui à mardi. Et puis ils sont toujours si doux, si brillants et bien hydratés. Alors on va commencer sur le côté. Avant j'avais 10 cm et à ce jour j'ai 12 cm. Donc sur le côté, bravo Rosie, j'ai gagné 2 cm. C'est des endroits, des tempes qui ont vraiment du mal à pousser. Alors à l'arrière, ça n'a pas du tout été facile pour mesurer, ça m'a vraiment fait travailler, je n'en pouvais plus, donc je me suis arrêtée là, j'ai mesuré 1 cm, mais ce n'est pas du tout possible, j'ai gagné plus visiblement, donc voilà, je pense que je ne mesurerai plus, je n'utiliserai plus le mètre pour faire les 9 chèques, je le ferai comme ça à vue d'œil, parce que là franchement c'est un sport. Donc voilà, au départ j'avais 15 cm et là j'ai 16 cm, bon, je n'en tiens pas compte. On va passer à l'avant, le plus intéressant pour moi. Au début du challenge, je mesurais 14,5 cm à l'avant et là, je mesure 18 cm. Donc, j'ai gagné 4 cm en 3 mois. Yes! Je suis super contente. Donc, maintenant, on va passer au lymph check de Clarisse. Sachant que j'ai pris des compléments alimentaires, la pousse n'est pas la même. Elle a gagné un peu plus que moi. Alors, en début de challenge, avant Clarisse, elle avait 15,5 cm devant. Maintenant, elle a 17 cm. Donc, devant, elle a gagné 1,5 cm. Sur le côté, elle avait 13 cm. Maintenant, on est à 16 cm. Donc, elle a quand même gagné 3 cm. Et à l'arrière, le plus intéressant, elle a fait une pousse extraordinaire. Elle a gagné 5 cm. Donc, on est passé de 6 à 11 cm, et bien bravo. Donc voilà pour cette vidéo, je vous laisse avec cette petite image, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite. Bisous.